C'est une merveilleuse nouvelle pour la famille princière de Monaco. Au cours de la journée du mardi 4 avril, Louis et Marie Ducruet sont devenus parents pour la première fois. Pour cause, le fils de Stéphanie de Monaco et son épouse ont accueilli leur fille, avec quelques jours d'avance. Pourtant, si aucune information sur le bébé n'a jusqu'à présent pas été dévoilée, la rédaction de Gala.fr a néanmoins déjà une petite idée sur l'éducation que souhaitent inculquer les jeunes parents à leur tout premier enfant. En effet, fin décembre, lors d'une entrevue accordée à Gala, Louis et Marie Ducruet avaient déjà répondu à de nombreuses questions portant sur leur fille. En toute transparence, le couple avait déjà levé le voile sur les valeurs qu'ils souhaitent inculquer à leur petite fille. Nous avons une vision commune. La valeur des choses est très importante. J'ai vécu très simplement, Louis également, on n'a jamais été pour y gâter, avait précisé la mère de famille. La valeur travail est aussi essentielle, nous avons tous les deux commencé à faire des jobs d'été dès l'âge de 16 ans. Toutefois, durant cet entretien, le fils de Stéphanie de Monaco avait également expliqué les valeurs qu'il souhaite aussi transmettre à sa fille. La simplicité, le respect des gens, des institutions également, avait-il renchéri. J'ai beau être qui je suis, j'ai toujours respecté mes supérieurs. Et, bien sûr, la charité, l'engagement. Ce que mes parents m'ont toujours enseigné. Supérieur à supérieur à Albert de Monaco et Camille Gottlieb, premier supporter de Louis Ducruet pour un match de football caritatif. Louis Ducruet, sa fille, une future sportive? Toujours au cours de ce même entretien, Louis et Marie Ducruet avaient également précisé avoir déjà réfléchi à placer, dans un avenir encore un peu lointain, leur fille en crèche. Nous aimerions d'abord la garder avec nous, puis faire appel à une nounou, racontait la mère de famille. Pourtant, à cette question, le père de famille avait rapporté vouloir sensibiliser sa fille au milieu sportif. La crèche, bien sûr, mais plus tard. Si est-il important pour sa sociabilisation, pour renforcer également ses défenses immunitaires au contact d'autres enfants. Il va falloir aussi qu'on lui inculque les valeurs du sport, avait expliqué Louis Ducruet par la suite. Un peu d'arts martiaux pour la discipline et le respect, peut-être un sport collectif, du volley, comme sa mère, et de la natation. On verra. Crédit photo, Olivier Huitel Poulbestimage.